et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review du petit oracle de la fée Morgane de Claire Duval et qui a été illustré par Eve Corrigan. Il me tenait vraiment à cœur de vous faire cette review parce que la chaîne de Claire Duval, donc qui est la chaîne Claire de la Lune, c'est une chaîne que je suis depuis très très longtemps, depuis des années et des années. Je l'ai d'abord suivie sous mon profil personnel et bien entendu, depuis que j'ai créé la chaîne ici, je la suis avec mon profil de cette chaîne-ci. Au départ, je changeais de profil, je switchais, mais c'est compliqué. Donc en fait, je me suis réabonnée à toutes les chaînes avec le profil de cette chaîne-ci et c'est beaucoup plus simple pour moi. Et que Eve Corrigan, je la suis depuis très 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 longtemps aussi sur YouTube, mais c'était pas sur YouTube que je la suivais le plus. En fait, elle était à un moment beaucoup plus active sur Facebook. Elle faisait beaucoup de posts et surtout, qu'est-ce que j'ai fouillé et refouillé son site. Il est toujours en ligne, même si je pense qu'elle ne l'alimente plus. Je pense qu'elle a, elle a d'autres occupations professionnelles pour le moment et qu'elle n'a pas le temps de le faire. Mais elle a un site sur lequel elle a répertorié des dizaines et des dizaines d'oracles et de tarots en vous mettant des photos, en vous donnant son avis, en vous mettant si le jeu est un jeu de guidance, un jeu si on peut faire de la prédiction avec. Elle vous donne la qualité, elle vous donne l'utilisation. C'est une mine d'or. Ce site est une mine d'or. Et donc, je pense qu'il s'appelle Graines d'Éden. Il faudrait vérifier le nom exact. Ça doit être Graines d'Éden. Et quand j'avais vu, il y a des mois de cela en arrière, qu'elles allaient sortir un petit oracle à elles deux, et notamment en plus sur le thème de la fée Morgane, j'ai précommandé le jeu dès que ça a été possible. Et il a été retardé au point qu'on se demandait si on allait le recevoir un jour. Et le miracle est arrivé. Je l'ai reçu vendredi. Je l'ai reçu vendredi dernier, donc nous sommes lundi matin. Et j'ai pas eu l'occasion de vous tourner la review et je m'attendais à voir fleurir des tas de reviews. En fait, je me dis, y a beaucoup de gens qui l'ont précommandé et donc dès vendredi soir, on va voir des reviews. Et ce matin, j'ai regardé, j'en ai toujours pas vu. Il n'y a que les vidéos de Claire. Enfin, moi, en tout cas, je ne trouve que les vidéos de Claire. Maintenant, peut-être que YouTube ne me guide pas vers les bonnes vidéos, mais moi je ne tombe que sur les vidéos de Claire. Et donc je me suis dit ce matin, comme de toute façon je voulais tourner quelques reviews, je dis je commence par celui-ci. Donc le petit oracle de la fée Morgane, il est aux éditions Très Daniel. Oui, c'est ça, c'est Contredire, j'allais dire, mais en plus c'est Contredire. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça m'arrive souvent quand je fais des vidéos, je sais pas pourquoi. Donc, il est au prix de 13,90€, 13,90€. Et donc, c'est les boîtes habituelles des petits oracles. Hein. Je pense que vous les connaissez. Donc, en dur, avec une jolie couleur, un très très beau dessin de Eve sur le couvercle. Et donc voilà, il se présente comme ceci. On va peut-être lire ce qui est indiqué ici. Donc la fée Morgane ne suit pas de chemin tout tracé. Elle n'obéit à personne. Elle décide par elle-même de ce qu'il est bon et juste de faire. Rien ni personne ne lui fait peur et ce que les autres pensent d'elle la diffère. Elle a confiance en elle, elle connaît sa force et elle sait qu'elle est capable de grandes choses. Donc c'est un oracle qui contient 43 cartes et qui nous propose d'accéder à la sagesse de la fée Morgane pour gagner en confiance, croire en nous et découvrir nos dons et nous reconnecter avec le monde de la magie.
Donc déjà, comme moi j'ai les derniers temps racheté, enfin j'en avais déjà, puis j'ai racheté des jeux sur le thème de la légende d'Avalon, Merlin, tous ces personnages-là, plus beaucoup des livres surtout, parce que des jeux j'en avais déjà. Mais finalement, je me suis racheté des livres pour faire le lien un petit peu entre les jeux et les livres. Je me suis dit que pour moi, c'était un incontournable. Donc, bah, la petite boîte, elle est habituelle, hein. À l'intérieur, nous avons la même couleur. C'est très, très, très joli, ce violet comme ça. Donc, le dos des cartes. Bon, ça, c'est le petit papier pour si vous avez un problème avec votre jeu. Donc, il identifie le jeu. Ça, c'est la petite carte de présentation. Donc, voilà, tout ce qu'il faut. Sur les éditions. Alors, on va le remettre comme ça, peut-être, je sais pas. Hop. Je le remettrai après. Il veut pas, il veut pas. Alors, bien entendu, c'est un petit oracle, donc il n'y a pas vraiment d'illustration sur les cartes, sauf ici. Vous voyez, il y a cette espèce de guirlande tout autour des cartes. Elles ne sont plus dans l'ordre parce que je me suis déjà tiré en fait un petit message. Les tranches sont argenté mat. Voilà. Bon, je sais pas si on va le voir bien. Voilà. Comme ceci, on le voit bien. Et donc, il y a juste un titre et un petit message. Donc, c'est le genre de petit oracle que j'utilisais, par exemple, en complément d'un tirage, comme dans le tirage que je vous fais pour les énergies relationnelles. Ma dernière carte pourrait provenir de ce petit oracle. Sans problème. J'ai voulu, en fait, j'ai hésité à le prendre pour les énergies de cette semaine. Et finalement, j'avais sorti celui d'Émilie de Dieu. Et donc, bah, j'ai pris celui d'Émilie de Dieu parce que je suis toujours ce vers quoi je suis poussée, guidée. Ce sera pour une autre semaine. Ou peut-être d'autres tirages si parfois je vous en propose d'autres. Je ne sais pas encore. Je me laisse assez bien porter. Mais j'ai déjà énormément d'idées. J'ai une liste énorme de choses, soit des reviews, des comparaisons, des vlogs. J'en ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me laisse porter par tout ça. Et ça apparaîtra bien un jour ou l'autre. On verra ça. Voilà. Après, je vais en tirer une ou deux pour vous montrer le genre de petit message. Parce qu'ici, peut-être, vous pouvez faire pause pour lire le message. Je ne vais pas tous vous les lire. Ça va être un petit peu, un peu long. Je ne vais pas non plus vous lire tous les titres. Je pense que vous. Ils sont écrits grand assez pour que vous puissiez les lire vous-même. Et donc, je vois pas trop l'intérêt. Je trouve que c'est plus intéressant de vous en lire un ou deux complètement. Ben, on va lire par exemple celui-ci, le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Nous sommes tous des êtres spirituels venus faire une expérience terrestre. Ne jamais l'oublier. Alors, on va peut-être en prendre une autre comme ça au hasard. Voilà, on prend celle-ci. Les neuf sœurs. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille. D'un groupe, du monde visible ou invisible. Et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Donc ça, ne l'oubliez jamais. Si vous vous sentez seul, et même si dans le monde visible, vous êtes très seul, sachez que il y a des énergies invisibles qui vous accompagnent. Je sais, c'est pas évident. Même moi qui ne suis pas seule dans la vie, dans le monde visible, loin de là, très 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 loin de là, parfois il peut m'arriver de me sentir seule.
Et je sais qu'il y a des énergies qui m'accompagnent, mais parfois, c'est pas évident, mais il faut quand même pas l'oublier. Et puis, de toute façon, si vous êtes sur cette chaîne, vous n'êtes jamais seul. Rien ne vous empêche de re-regarder une de mes vidéos ou voilà, ou écrivez-moi un petit message. Je ne peux pas vous répondre toujours immédiatement parce que, effectivement, j'ai ma vie professionnelle, j'ai ma vie familiale, voilà, j'ai des occupations. Mais je m'attache à vraiment à répondre à tout le monde, à tous les messages. Et si je ne le fais pas, c'est qu'il m'échappe parce que faut savoir que YouTube, de temps en temps, n'envoie pas des notifications pour tous les messages. Donc il y en a que je vois après en disant, bah tiens, j'ai pas eu la notification de celui-là. Donc voilà, je suis désolée si à certains je n'ai pas répondu. Alors, j'ai envie, je voyais le titre, j'ai envie de lire le pommier sacré. Je ne sais pourquoi ce titre me plonge dans la période de Noël. Je me souviens que quand j'étais petite, en primaire, l'année où j'ai appris à lire, j'avais un livre de lecture qui était en plus du livre de lecture que j'utilisais en classe. Parce qu'il faut vous dire qu'une de mes tantes était institutrice, donc dans l'école où moi j'étais. Et que depuis que j'ai appris à lire, j'étais passionnée par la lecture. Moi, je suis une passionnée de lecture. Et donc, elle m'avait donné un autre livre de lecture, donc, qui n'était plus utilisé en classe, parce que j'étais dans sa classe. Et tellement j'adorais lire. Et je sais qu'au moment de Noël, j'avais lu des textes qui étaient donc dans ce livre de lecture, qui étaient un peu sous forme de conte comme ça. Et ça parlait d'un pommier. Je me rappelle que ça parlait d'un pommier. J'ai totalement oublié l'histoire. Je ne pourrais pas vous en dire plus que ça. Ça parlait d'un pommier. Ça parlait de Guy. Donc du Guy de Noël. Ça, je me souviens. En dehors de ça, je ne sais plus du tout pourquoi. Mais parfois, quand je vois, et notamment ici, le pommier sacré, ça me replonge immédiatement dans cette ambiance. Donc imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon. Croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précise dans ta représentation. C'est ce qui activera sa magie. Donc ici, on vous invite à la visualisation pour créer. Ça peut marcher. Je l'ai déjà utilisé, la visualisation, et j'ai été assez stupéfaite parce que ça a pris 2 jours pour arriver. Mais parfois, je vous avoue franchement, probablement que parfois je n'arrive pas à être suffisamment concentrée, parfois ça marche pas. J'ai déjà fait des expériences où ça marchait pas du tout. Mais bon, après, je pense que il faut être très. Souvent, il faut prendre du recul par rapport à tout ça, parce que faut se dire que parfois, peut-être, on n'est pas vraiment dans la vibration. On croit qu'on y est parce que on voudrait tellement. Notre mental voudrait tellement. Mais parfois, on n'est peut-être pas, parce que ce n'est pas le bon moment ou quelque chose comme ça, on n'est peut-être pas totalement dans la vibration. Et si on n'est pas totalement dans la vibration, ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur l'utilisation de la magie. Mais il y a des magies qui marchent. De toute façon, la magie, elle est à l'œuvre tout le temps dans notre vie. Et il y a des méthodes magiques qui marchent. Ce serait plus juste de dire ça. Il faut juste arriver à vraiment à ce que toute votre vibration, votre entière vibration, soit tout à fait OK avec ça. Et donc parfois ça peut prendre du temps. Moi je sais que j'ai utilisé les talismans que vous voyez toujours là. Je les ai utilisés pour quelque chose de bien précis. Donc pas ceux qui sont là, hein. Ceux-là, ce sont ceux qui concernent la clairvoyance, le troisième œil, la divination, etc. Donc je les laisse là, puisque c'est l'endroit où je fais mes tirages. Donc ce sont ces trois-là.
C'est un choix que j'ai fait. Il y en avait peut-être un peu plus, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, j'ai fait le choix de ces trois-là. Mais j'en ai dans mon sac à main, que j'ai mis dans un petit pochon, du coup. Et je l'ai fait sur un sujet bien précis, au niveau du professionnel. Et ça a fonctionné. Ça a pris, on va dire, peut-être un peu de temps. Ça doit faire quelques mois que je les ai sur moi, mais ça fait déjà un bon moment que ça a fonctionné, en fait. C'est pas juste maintenant, ça fait déjà... laisse-moi réfléchir. Bah, c'est en œuvre déjà depuis... on va dire quasiment depuis le mois d'août, en fait. Ouais, c'est depuis le mois d'août. J'ai pas réalisé tout de suite, en fait, que ça se mettait en place. C'est seulement maintenant que je me rends compte que ça se met en place. Mais en réalité, au mois d'août, c'était déjà le début. Et il faut vous dire que ça a pris peut-être quelques mois pour se réaliser, mais j'ai moi-même mis en œuvre en moi et dans le concret les énergies nécessaires aussi pour réaliser ça. Donc, j'ai posé certains actes intérieurs déjà par rapport à comment je me sentais, à retravailler sur moi, etc. Et je l'ai concrétisé dans l'extérieur, c'est-à-dire que j'ai exprimé certaines choses. Voilà, je ne vais pas vous donner tout le détail, mais donc j'ai posé des mots aux bonnes personnes. Et ça a fait en sorte que finalement, ce que j'avais demandé à travers les talismans est bel et bien arrivé. Voilà. Après, j'ai aussi poser des intentions travers des talismans, d'autres sur un autre sujet, et ça n'est pas encore réalisé. Mais je sais aussi que pour ce sujet-là, il y a encore des choses qui ne sont pas claires en moi. Il y a encore des choses où, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis vraiment au clair? Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que... Voilà. Et donc, ça ne s'est pas encore réalisé parce que dans ma vibration, c'est pas suffisamment clair. Et donc, tant que ce n'est pas suffisamment clair, ça n'arrivera pas. Et je le sais très bien. Par contre, je pense que les talismans peuvent peut-être m'y aider. Et je sens quand même que tout doucement, il y a des choses qui changent en moi, d'autant que sur d'autres domaines, il y a des choses qui tout doucement s'apaisent, se stabilisent, prennent leur place. Et donc, ça va me laisser plus de sérénité pour aussi travailler sur d'autres sujets. Donc, voilà. C'était donc une petite addition, on va dire, à la présentation du petit oracle de la fée Morgane, mais sur le sujet de la magie, et donc comme c'est un petit oracle qui nous parle de magie, c'était pas mal de le mettre dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!